Thanks for joining us here today in the audience. Nous allons commencer. J'aimerais accueillir tous nos collègues ici même et en ligne. Je travaille pour le Financial Times. Je me présente, Madame Jones, et je suis rédactrice au niveau de l'économie. Nous allons parler aujourd'hui de tout ce que l'on voit dans les journaux ou à la télévision, c'est-à-dire les chaînes de valeur du commerce. Tout particulièrement, nous allons parler bien précisément des chaînes de valeur mondiales. Je vais vous présenter les trois participants à notre tribune. À ma gauche, Madame Goldberg, qui est économiste en chef à la Banque mondiale. Arturo Herrera. Ensuite, Monsieur Arturo Gutiérrez, le ministre des Finances du Mexique. Et enfin, nous avons Billy Schillari, qui nous rejoint de la Finlande, ministre du Développement, de la Coopération et des Échanges commerciaux. Ainsi, la semaine dernière, la banque a publié son rapport sur le développement dans le monde. Le thème du dit rapport était le commerce dans les chaînes de valeur mondiales. Avant que de passer à la manifestation elle-même, j'aimerais saluer les co-directeurs qui ont réalisé ce projet, Madame Freund et son collègue qui sont de la Banque mondiale, et Poyantas, professeur d'économie à l'Université de Harvard. Pour vous rappeler tout simplement que cette manifestation est en direct et en anglais, en espagnol et en français. En direct. Nous allons passer à une discussion avec Madame Goldberg concernant le rapport. En qualité d'économiste principale, pourquoi avez-vous décidé cette année, pour la première fois depuis les années 80, que ce rapport porte sur les chaînes de valeur mondiales? Comme vous l'avez déclaré, il n'y a pas eu de rapport sur les échanges commerciaux à la Banque mondiale depuis les années 80. La dernière fois, donc, cela a été publié il y a 30 ans. Et le moment était venu, à notre sens, que de rédiger un rapport sur les échanges commerciaux, puisque les échanges commerciaux jouent un rôle extrêmement important dans la croissance, et ce, depuis quelques décennies. Les années 90 étaient véritablement la globalisation, les décennies de la globalisation. Donc, ce rapport sur les échanges commerciaux était nécessaire et a attiré l'attention sur le fait que cela va plus loin, et c'est tout particulièrement important pour notre période. Run through to the audience. What exactly are... Alors, de quoi s'agit-il quand on parle des chaînes de valeur mondiales? Quelle est leur importance au niveau des échanges commerciaux mondiaux? Alors, les chaînes de valeur mondiales sont une forme d'échange commercial spécial. À l'ancienne, les pays importaient des produits pour les consommer dans le pays ou exporter encore des produits. Ces produits pouvaient être consommés ailleurs. C'est là le concept du commerce tel qu'on le connaît de façon classique. Et ce, depuis quelques années, alors, en partie en raison des améliorations technologiques, ces sociétés prennent un produit, elles peuvent le morceler en pièces détachées et les vendre. Prenons une voiture. Plutôt que de produire une voiture dans un pays, disons les États-Unis, on exporte la voiture ailleurs, on prend des pièces détachées de voiture, on les morcelle, on produit les pièces détachées ailleurs, au Mexique, disons, et ou la Pologne ou en République tchèque, et on les réimporte aux États-Unis, ces pièces, on fait un assemblage final ici aux États-Unis et on exporte ailleurs. Et c'est faisable pour toutes sortes de produits, pour les voitures, les téléphones, les textiles, donc des produits plus classiques. Ce qui a mené à une explosion des échanges commerciaux, car plutôt que d'exporter un produit fini, de nos jours, on importe, on exporte des pièces et des pièces détachées et des composantes. En parlant des chaînes de valeur mondiales, en fait, on parle des composantes des échanges commerciaux qui sont les plus pertinentes dans l'environnement d'aujourd'hui. 50% du commerce total aujourd'hui passe par des chaînes de valeur mondiales. Donc 50%, c'est énorme. Quels sont les avantages
quant à l'utilisation de ces chaînes de valeur mondiales pour les grandes sociétés et ce, dans l'économie mondiale, bien sûr. C'était là la grande question qu'on s'est posée dans ce rapport. La question étant, y a-t-il des avantages pour les échanges commerciaux dans l'environnement à l'heure actuelle? Y a-t-il des avantages pour les chaînes de valeur mondiales qui vont au-delà des avantages du commerce classique? La réponse étant oui. Les avantages pour les CVM, c'est les chaînes de valeur mondiales, sont très importantes et vont au-delà du commerce classique. Deux motifs à cela. Tout d'abord, le commerce et les chaînes de valeur mondiales sont relationnelles. Qu'est-ce que cela veut dire? Que ça ne se passe pas sur des marchés anonymes, mais cela se déroule entre sociétés qui se connaissent, qui ont établi des relations de longue date. Qu'est-ce que cela signifie? Encore une fois, il y a davantage de possibilités de transfert de technologies, de connaissances. Votre collaborateur est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Et donc, puisque c'est des échanges de pièces et de composantes, il faut qu'elles soient compatibles, qu'elles remplissent les normes de qualité de l'autre, qu'elles peuvent être montées sans avoir de surprise de taille concernant des erreurs, concernant leur qualité, leur efficacité, etc. Donc, tout ceci facilite ce transfert et l'amélioration de la qualité. C'est l'un des motifs pour la croissance solide, avoir un effet sur la croissance. Puisque vous démontez un produit en petites composantes, il est beaucoup plus facile pour les pays en développement qui n'ont pas des capacités intégrales de se joindre à ces chaînes de valeur mondiale. Pensons à un pays qui est relativement pauvre, qui n'a pas de capital, qui n'a pas de capacité. Il lui sera difficile de produire une voiture, mais il lui sera plus facile de produire quelques pièces de cette voiture et de prendre part au système commercial en exportant ces mêmes pièces. C'est pour cela que les chaînes de valeur facilitent au pays cette utilisation et cette participation au commerce international. Il y a un écart entre ce que disent les économistes, c'est-à-dire les grands avantages du commerce, et ce que nous voyons dans le discours public à l'heure actuelle, assez négatif sur le commerce, le retrait par rapport aux échanges commerciaux. Quand vous avez travaillé ce rapport, avez-vous identifié des problèmes des chaînes de valeur mondiales? A-t-il été clair à vos yeux que ce n'est pas uniquement ici, c'est qu'il y a des perdants et des gagnants? That's absolutely true. So it's a very old message. Tout à fait. C'est un message relativement ancien de la théorie du commerce et de l'économie en général. Mais les échanges commerciaux ont des avantages pour le monde, pour les économies, mais il y a des gagnants et des perdants. Tout comme les chaînes de valeur mondiales qui modifient et amplifient les échelles commerciales, les conflits également. Nous avons vu que les chaînes de valeur mondiales, par exemple, mènent à des inégalités, inégalités entre pays. Certains pays s'inquiètent qu'ils vont commencer à produire des pièces à faible valeur ajoutée, vont lancer cette production et vont tomber dans le piège des revenus intermédiaires. Dans les pays, nous avons relevé que certains pays se développent plus rapidement que d'autres. Un exemple étant le Mexique, où les chaînes de valeur se trouvent, donc les maquilladoras, et qui se trouvent dans le pays. Le Vietnam en étant un autre exemple, où il y a eu croissance rapide, réduction de la pauvreté, là où les CVM se trouvent. Mais il y a également des inégalités par rapport au restant du pays. Ainsi, c'est très important au sein des pays. Ce qui semble particulièrement intéressant dans les chaînes de valeur mondiales, c'est que les sociétés qui se trouvent dans les pays avancés, qui participent à ces chaînes de valeur, deviennent des bénéficiaires et profitables.
Ce qui veut dire qu'elles peuvent se servir des CVM pour réduire au minimum leurs coûts, c'est-à-dire que vous situez votre production dans les pays qui peuvent produire de façon peu onéreuse, ce qui permet aux sociétés d'augmenter leurs bénéfices et leurs profits. Ce qui est bien pour les consommateurs dans les pays avancés, quand nous importons par exemple des vêtements du Bangladesh, disons, c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs, par exemple aux États-Unis, en Europe, parce que les prix sont relativement faibles, même et les profits, bien sûr, sont relativement importants, mais toutefois, les consommateurs en tirent parti. Mais qu'en est-il des fournisseurs dans les pays en développement qui ont des PME ou des PMI qui se sont exclus, qui ne sont pas reliés aux grandes sociétés? Et dans le rapport, nous avons toutes sortes de recommandations sur ce que les sociétés peuvent faire, ce que les pays peuvent faire pour que ces gains soient réellement plus équitables et que les sociétés, les petites sociétés nationales, peuvent participer au commerce international, mais qu'elles peuvent également tirer parti du transfert de connaissances. L'avantage le plus important des CVM étant qu'elles facilitent le transfert de connaissances ou du savoir. Et donc, c'est plus important pour les PME que de participer à ce transfert de connaissances. Dans le rapport, nous abordons également l'effet des inégalités, par exemple pour les femmes. Il se trouve que les CVM, en général, sont positifs pour les femmes, car elles améliorent la participation des femmes au marché du travail, ce qui veut dire qu'il y a davantage de femmes qui participent au marché du travail et de bons emplois, des emplois stables dans le secteur formel. Mais nous avons également relevé que la plupart de ces emplois sont peu payés et exigent peu de compétences. Donc, c'est mi-figue, mi-raisin, parce que l'on aide certes les femmes à rentrer sur le marché du travail, mais pas forcément à faire mieux dans les salaires. Nous abordons l'impact de ces chaînes de valeur, qui est encore une fois positive et négative, mais elles sont bonnes pour l'environnement dans l'ensemble. Les grandes sociétés qui sont dans les pays industrialisés très souvent exigent de meilleures normes pour l'environnement, en partie parce qu'elles savent que les consommateurs de leur propre pays s'intéressent à l'environnement. Ça, c'est la bonne nouvelle. En revanche, le revers de la médaille, je présume que quand vous avez un produit démonté en petites pièces et que vous faites la navette, vous avez davantage de transport, davantage de commerce. Davantage de transport, ça veut dire davantage d'émissions. Parallèlement, il y a également un emballage, c'est-à-dire conditionnement plastique davantage. Et ça, c'est la dimension relativement négative des CVM. Nous avons des recommandations sur les mesures que les pays et les sociétés pourraient prendre pour réduire au minimum cet impact. Merci. Merci, madame. Je passe la parole à Ville. Alors, Nokia, pour vous, c'est une expérience que vous avez quant au CVM. Pourriez-vous nous dire comment les pratiques commerciales sur les différents marchés, comment cela fonctionne? Eh bien, bon après-midi à tout un chacun et je vous salue de l'Éthiopie car j'arrive d'Addis Abeba. Si j'ai l'air un peu fatigué, vous m'excuserez, 16 heures de vol y est pour quelque chose. Oui, une certaine expérience dans les entreprises mondiales puisque nous avons développé les services de Nokia et j'ai travaillé également au Japon pour une société japonaise, donc c'était là une autre optique sur le commerce mondial. Les chaînes de valeur sont tout à fait différentes et peut-être la chose la plus importante serait qu'il vous faut comprendre comment les CVM fonctionnent au niveau mondial mais également au niveau régional. Ainsi, j'aimerais souligner l'importance de la propriété intellectuelle, tout particulièrement de nos jours, dans l'environnement tel qu'il est. Comment faire face à l'appropriation, à la
commercialisation de la propriété intellectuelle, mais surtout comment vous respectez la propriété intellectuelle dans les législations, dans les comportements régionaux, mondiaux également, et le système de règlement que l'on connaît qu'il faut suivre. De mon époque, c'est vrai que la propriété intellectuelle n'était pas respectée partout, mais en Europe, nous la respectons. Et il est important de dire, comme vous l'avez dit d'ailleurs, il est important de voir le capital humain. Et c'était ça le point fort de Nokia et de la Finlande, que nous avons souligné les compétences dans l'éducation, le capital humain, et nous avons travaillé dans ce sens au niveau mondial. Très bien. Participer à cette discussion, le Mexique est très important, c'est cité comme l'un des exemples des pays qui ont joué un rôle très important dans les chaînes de valeur mondiales. À l'évidence, le débat s'est engagé sur ce qui va se passer au niveau de la politique des échanges commerciaux internationaux et le Mexique. Alors, parlez-nous de l'expérience de votre pays et quant aux recommandations de politique que vous nous apporteriez. Merci, merci de m'avoir invité à cette tribune. C'est à point nommé. La Grande-Bretagne aujourd'hui annonce le Brexit et c'est un pilier très important des chaînes de valeur mondiales, le fait que les entraves synthétiques aux échanges commerciaux viennent de s'effondrer. C'est une tendance depuis des décennies. Et il y a quelques difficultés en la matière à l'heure actuelle. Le Mexique, effectivement, est un protagoniste important. Et je dirais que, en partie, ce que nous voyons, c'est appuyé sur la libéralisation qui a commencé dans les années 90. En 94, le Mexique a signé l'ALENA et nous étions en excellente position à cet effet. Plusieurs choses qui ont des résultats intéressants quand vous prenez la perspective du Mexique. L'une étant que les chaînes de valeur pourraient être plus complexes qu'on se l'imaginait. Donc, une petite caricature, vous avez une petite pièce qui est faite dans un pays, qui est envoyée à un autre pays encore, et exportée enfin. Nous sommes très proches du grand marché, mais ça devient beaucoup plus complexe et on ajoute une complexité en termes politiques. Je vais vous donner un exemple spécifique que j'ai demandé à mon équipe de nous donner cet exemple ce matin. Lorsque nous exportons des camions de General Motors, nous commençons par un assemblage électronique qui est dans les sièges et à Guadalajara est envoyé à un centre logistique à El Paso de General Motors et on l'envoie à une autre usine qui est à l'est du Mexique, à Matamoros, près de la frontière, et c'est là où on l'installe dans les sièges. À partir de là, on le renvoie à El Paso, on modifie la chose et on l'envoie à une usine qui se trouve au centre du Mexique, où l'on l'installe dans la voiture et c'est exporté en fin de compte. Et donc c'est ce qui a été considéré jusque-là une exportation lorsque le produit fini est envoyé, mais lorsqu'il sort du pays, certains éléments ont déjà traversé les frontières avec les États-Unis et ce plusieurs fois. Cela illustre les avantages, c'est-à-dire que cette micro-spécialité que vous avez en différents sites, en trois usines complètement différentes du Mexique, où l'on a la possibilité de se développer intégralement. Mais c'est une complexité politique manifeste dont nous n'étions pas totalement conscients. Vous l'avez vu avec les tensions commerciales qui existent quelque part.
Ce qui a surgi, c'est la possibilité d'avoir une augmentation des tarifs douaniers, 10-15%, à l'encontre des produits mexicains. Mais si vous voyez comment les CVM, comment elles fonctionnent, ça aurait été davantage que 15%, parce que vous avez d'abord un droit douanier de Guadalajara à El Paso, ensuite 10 ou 15% supplémentaires de Matamoros à El Paso, et enfin un autre ajout de 15%. Donc quand vous les ajoutez, cela vous donne des droits ou des impôts qui sont très élevés. Donc l'un des enseignements tirés de notre propre expérience, c'est qu'il nous faut avoir des accords stables d'échanges commerciaux, car des changements pourraient avoir des impacts complètement différents. Deuxième chose qui a trait à ce que Penny nous a dit tout à l'heure, bien ou pas bien, vous avez de grosses usines de développement dans le nord, par exemple, qui sont plus développées donc dans le nord, mais également au centre du Mexique. Et là, donc ça, c'est un contraste par rapport à ce qui se passe dans le sud du Mexique. Nous avons donc une disparité régionale profonde au Mexique. Le PIB du nord est 4 fois celui du PIB du sud. Mais il faudrait prendre un peu de recul par rapport à cette question, parce qu'avant la libéralisation, avant l'ALENA, avant les chaînes de valeur mondiales, nous avions déjà ces disparités qui existaient. Les CVM ne sont pas réellement la panacée du développement, ni cela, ni le motif des disparités régionales dans un pays. Bien sûr, elles peuvent les exacerber, ces disparités, et profondément, mais ce n'est pas le motif. Alors, la solution ne passera pas par cela non plus. Très bien, merci. Donc, nous pouvons dire, en ce qui concerne les questions de politique, que les chaînes de valeur mondiales pourraient agir de façon plus juste, et cela peut créer parfois certaines disparités. Vous avez mentionné qu'en Finlande, on avait beaucoup investi dans le capital humain. Quand on regarde les questions qui ont été posées en ligne, souvent on demandait comment les pays peuvent-ils intensifier les investissements dans le capital humain pour vraiment tirer parti de ces chaînes de valeur mondiales. Et quelles sont les leçons que l'on peut tirer de l'expérience de la Finlande à cet égard? Je pense que la réussite en Finlande découle de nos investissements dans l'éducation et surtout dans la situation des femmes et des filles qui doivent avoir une égalité des chances. Et en fait, autant de femmes travailleuses que d'hommes travailleurs, et c'est quelque chose dont nous sommes très fiers. Mais si il y avait autant de femmes que d'hommes au sein de la population active à l'échelle mondiale, le PIB mondial pourrait être beaucoup plus élevé, même 25%. Donc, il est toujours utile d'investir dans les femmes et les filles. C'est ce que nous faisons en Finlande. Et nous investissons de plus en plus à tous les niveaux, à partir de la maternelle jusqu'à l'université, parce que c'est l'éducation la clé. De plus, pour ce qui est de notre politique de développement, nous mettons l'accent sur les femmes et les filles afin de contribuer aux valeurs aux chaînes de valeur. Nous souhaitons permettre aux femmes de devenir entrepreneurs
et ainsi créer de vraies valeurs, une chaîne de valeur dans les pays en développement. Et c'est là-dessus que nous mettons l'accent à l'heure actuelle. Un autre domaine, je pense, qui soulève certaines préoccupations, c'est la relation entre croissance économique et l'environnement. Le coût de la croissance et des échanges commerciaux du point de vue de l'environnement. Et vous avez été président à la présidence de l'Union européenne pendant 6 mois et vous pensez qu'il peut y avoir des plans qui seront élaborés à cet égard? Nous avons probablement une des politiques environnementales les plus ambitieuses au monde. Nous souhaitons avoir la neutralité du carbone en 2035. Il y a une feuille de route pour tous les secteurs, industrie, agriculture et les autres. Également au niveau de l'Union européenne, il y a un engagement solide qui a été pris afin d'atteindre ces objectifs. Cela concerne également les accords d'échange commerciaux, comment inclure un chapitre sur le développement durable dans ces accords. Et mettre en œuvre l'accord de Paris. Et c'est ce que prône la Finlande et c'est ce que prône également l'Union européenne, je pense. Il est sûr toutefois qu'il y a de grands défis à l'échelle mondiale et c'est pour cela que l'Europe doit agir à être chef de file, donner l'exemple au monde tout entier. Et c'est ce que souhaite la Finlande. Comment, d'après vous, Pénélope, pourrait-on rendre ce développement plus inclusif? Je pourrais en parler pendant des heures, mais je serai brève. Cette préoccupation à l'égard de l'effet inégal du commerce, du développement, est plus prononcée dans les pays avancés. Et ce sont ces pays qui peuvent tenter d'atténuer les effets. Et ce n'était pas notre mission à l'intérieur. Dans le contexte du rapport, de présenter des conseils aux pays, mais toute politique adoptée à cet égard dans les pays développés se répercute aussi dans les pays en développement. Il y a de nombreuses politiques de ce genre au niveau national, souvent, donc il incombe aux pays de les mettre en œuvre. Maintenant, en ce qui concerne les pays en développement, ils peuvent aussi faire beaucoup et bon nombre des pays à faible revenu en sont au tout début du processus de développement et au départ, très rarement, ils mettent l'accent sur la croissance. Donc, ils se concentrent sur la croissance et oublient les disparités qui peuvent être créées. Ce que nous disons dans notre rapport, tout d'abord, c'est qu'il faut se préoccuper de ces inégalités parce que, comme on le voit dans les pays développement, parfois cela peut nuire à la croissance, il y aura des réactions négatives. Donc, il faut y songer dès le départ et aussi lorsque il y a l'égalité au sein de la société, tous les citoyens peuvent participer. Donc, tout le monde doit avoir la possibilité de participer, ce qui est bon également pour la croissance. Par conséquent, les pays en développement doivent prendre des mesures afin d'assurer l'égalité des chances. Comment le faire? Eh bien, cela relève de chaque pays. Cela dépend des circonstances spécifiques du pays. Donc, c'est la première chose. Il faut s'en préoccuper. Deuxièmement, dans bien des pays en développement, souvent, il y a une grande différence entre le traitement réservé aux hommes et aux femmes. Cela ne concerne pas uniquement les chaînes de valeur, mais cela découle de toutes sortes de facteurs à l'intérieur de ces pays. Donc, la deuxième priorité dans bon nombre de ces pays, c'est de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes
Et troisièmement, nous mentionnons dans notre rapport qu'il faut maintenant aussi s'inquiéter des changements climatiques qui vont toucher en fait plus les pays en développement que les pays développés. Et les échanges commerciaux ne sont pas les principaux vecteurs des changements climatiques, mais ils peuvent parfois avoir certains effets puisqu'il y a plus de transport, plus d'emballage. Donc, il faut prendre des mesures pour réduire ces effets. Dans le rapport, nous mentionnons certaines mesures. Il peut y avoir, par exemple, la tarification du carbone ou des interventions beaucoup plus concrètes des mesures à plus petite échelle qui permettent d'encourager les entreprises à adopter des initiatives qu'on peut qualifier de vertes. J'aimerais revenir à ce que vous avez mentionné tout à l'heure, Arturo, au sujet de la situation des pays en développement, comment améliorer la situation, et au Mexique. Maintenant, il y a des créneaux fortement spécialisés. Donc, que peuvent faire d'autres pays pour encourager les investissements dans les nouvelles technologies et ainsi favoriser la croissance économique du pays? Je vous remercie de cette question. Et si vous me permettez de faire le lien à une des observations de Penny, il a dit que l'on doit s'assurer de créer des possibilités pour tous les membres de la société. Eh bien, du point de vue des politiques publiques, c'est un peu plus difficile. Par exemple, il y a l'État de Oaxaca au Mexique qui est plus proche du Texas que le Texas de l'État de Washington, de l'Oregon. Donc, c'est déjà un atout, l'emplacement géographique. Mais ce qui n'existe pas, c'est l'infrastructure. Et les entreprises qui sont situées à la frontière ont plus de facilité ou celles qui sont au centre du pays. Mais dans certaines régions plus éloignées, il faut mettre en place une infrastructure qui permette le transport des produits. Mais il y a donc d'autres aspects qui ne sont pas spécifiques aux échanges commerciaux, mais qui concernent aussi l'infrastructure. L'autre aspect, c'est que ce qui fonctionne bien du point de vue de l'organisation de ces chaînes de valeur mondiales, c'est que souvent il y a une sorte de formation en cours d'emploi pour ceux qui travaillent au sein de ces chaînes de valeur. Et cela permet de rehausser les normes, comme l'a dit Penny. Mais au départ, les conditions peuvent être très différentes. Par exemple, dans un pays comme le Mexique, il se peut fort bien que les habitants du pays n'aient pas eu les compétences nécessaires pour répondre aux besoins des entreprises. Donc, il faut combler l'écart, il faut mettre en place des programmes de formation et ainsi combler l'écart entre les compétences des habitants et les compétences requises. Donc, c'est ce que vous avez fait. Avez-vous un dialogue constant avec les sociétés concernées pour connaître, savoir quelles sont les compétences requises? Eh bien, d'une part, il y a ce que vous mentionnez, les sociétés accomplissent certaines tâches, mais parfois, il y a un élargissement. Par exemple, au Mexique, il y a 66 millions au sein de la population active. Donc, les entreprises ne peuvent pas tout faire. Le gouvernement doit intervenir. Et cela n'est pas nouveau. Nous avons mis en place, en fait, un nouveau programme. Mais cela s'est fait ailleurs aussi, en Europe, surtout en Allemagne. Mais ce qui est nouveau, c'est que cela se fera sur une échelle beaucoup plus large. Mais il y a
un programme qui vient d'être mis en place il y a quelques mois pour permettre l'acquisition des compétences requises dans le pays. Donc, tout d'abord, il y a beaucoup plus de demandes de la part de ceux qui veulent s'inscrire, mais en fait, il y a aussi eu beaucoup plus de femmes candidates. Et cela concerne à peu près 1 million de personnes et 58% des stagiaires sont des femmes, seulement 42% d'hommes, donc beaucoup plus de femmes formées que d'hommes. Et dans un pays où il y a une participation très faible des femmes au marché du travail, c'est quelque chose de très important. Et ce qui est important aussi, c'est de se tourner vers l'avenir. C'est un autre aspect du débat public. On parle non seulement de commerce et environnement, mais aussi de la numérisation de l'économie, des technologies. Et comment cela s'insère-t-il dans ce nouveau phénomène des chaînes de valeur mondiales? Que pensez-vous de la tendance de plus en plus forte vers la numérisation? Eh bien, de façon générale, la numérisation, la technologie ouvre de grandes possibilités du point de vue du commerce, des affaires. Et je reviens d'Éthiopie, justement, et je vois que déjà maintenant en Afrique, dans un pays comme le Kenya, disons, les systèmes de paiement mobiles s'étendent rapidement à toute la population. Le commerce électronique également est souvent une réussite. Donc, il faut songer non seulement au développement local, mais aussi au développement au niveau des régions. Et après avoir rencontré le Premier ministre de l'Éthiopie, prix Nobel, qui a reçu un prix Nobel, personne qui m'a beaucoup impressionné par son engagement à réaliser des réformes dans son pays et assurer également l'intégration économique au niveau de la région pour assurer la paix et la croissance économique de toutes ces populations. Donc, pour ce qui est de l'avenir, il est sûr que l'Afrique sera un continent important et nous sommes en train d'adopter une stratégie à l'égard de l'Afrique, car et aussi au niveau de l'Union européenne. Mais il est sûr aussi et qu'il est très complexe de légiférer en matière de numérisation et il faut voir comment créer de meilleures plateformes, par exemple en Europe, comment garantir, protéger les droits des consommateurs et mieux assurer les échanges. Mais de façon générale, cela me paraît une tendance positive, surtout dans les pays en développement. Je commencerai par dire qu'une des conclusions les plus étonnantes de nos travaux, de notre rapport, était que l'automatisation est une bonne nouvelle du point de vue des échanges commerciaux. Cela peut peut-être nous surprendre. Quand nous avons entamé nos recherches, nous souhaitions absolument évaluer de façon objective les chaînes de valeur mondiale, leur effet sur le commerce, et nous pensions
qu'avec l'automatisation, la robotisation, il n'y avait plus beaucoup de possibilités de commerce, car de nombreuses sociétés se rendaient au Bangladesh, au Mexique ou ailleurs pour tirer parti d'une main-d'œuvre à meilleur marché. Mais si l'on peut utiliser des robots, pourquoi chercher une main-d'œuvre à meilleur marché? Et d'aucuns ont maintenu que l'automatisation, la robotisation empêcheront le développement des pays en développement du point de vue des échanges commerciaux. Donc, c'était une question que nous avions à l'esprit. Devrions-nous encourager les pays en développement de participer au commerce international s'ils devaient un jour en être évincés de parler de nouvelles technologies? Mais ce n'est pas ce que démontrent les données, car il y a un effet d'échelle. Technology. Et parlons maintenant de nouvelles technologies qui adoptent les robots. Les sociétés augmentent la production, se débrouillent bien. En augmentant la production, il leur faut davantage de pièces et de composantes qui viennent du monde en développement. Et il est intéressant de noter que l'industrie dans laquelle ou qui se sert le plus de robots, c'est l'automobile. Regardez les tableaux de la cerisette dans les usines automobiles, vous le verrez, des robots, mais le commerce entre les pays en développement et les pays développés a été en hausse depuis quelques années. D'autres cas qui sont cités dans le rapport, par exemple une étude de cas de ce qui est les audiophones, et c'est l'impression en trois dimensions. On pensait que ça allait arrêter le commerce international. Eh bien, pas du tout. C'est exactement l'opposé qui s'est passé. Les audiophones ont augmenté et c'est l'effet d'échelle qui est intéressant. Plus de bénéfices, on élargit les opérations, c'est une bonne nouvelle pour les pays en développement. Donc, encore une fois, cette frayeur n'a pas été confirmée. J'aimerais revenir sur une question intéressante, c'est-à-dire le débat politique est axé sur l'idée de ce à quoi me mène, c'est-à-dire les emplois disparaissent dans les économies alors que les économies les plus avancées, les emplois n'y sont déjà plus. Et donc, est-ce qu'il y a retranchement par rapport aux échanges commerciaux, alors qu'il y a... Est-ce que ceci augmente le nombre d'emplois dans la manufacture, comme nous disent les hommes politiques? C'est une question qui est reliée au rapport sur le développement mondial de l'année dernière, qui s'est penché sur les emplois, le nouveau visage du travail. Et il est intéressant que le rapport de l'an dernier cite que la nouvelle technologie n'a pas touché les emplois dans le monde entier, mais qui ont mené à une régression des emplois dans les pays à haut revenu, mais qui ont amené une augmentation des emplois dans les pays en développement, et en Asie de l'Est, par exemple, même dans les pays industrialisés, même au Japon, il y a eu une augmentation du nombre d'emplois. Et pourquoi? Dans nombre de pays avancés, vous avez un problème démographique. Nous avons des populations qui vieillissent. Bon nombre de personnes au Japon nous ont dit, eh bien, en fait, il nous faut des robots parce que nous n'avons pas suffisamment de personnes pour faire le travail qui doit être accompli. La raison en partie pour laquelle nous n'avons pas vu l'effet dramatique que d'aucuns avaient prévu, c'est justement parce que les robots dans nombre de pays viennent répondre à un déficit de la main-d'œuvre. Jusque-là, ces prévisions catastrophiques ne se sont pas matérialisées. Je ne saurais extrapoler pour l'avenir, mais il nous faut être prudents quant à ces déclarations des plus négatives. Restons sur la question du climat politique. Arturo, vous êtes
Vous avez participé aux grandes discussions, les grands débats. Qu'en pensez-vous à l'heure actuelle? Les implications économiques seront-elles si le climat actuel se poursuit? Tout d'abord, ce qu'il nous faut faire, c'est en parler. Tout d'abord, peut-être que c'est manifeste, mais avant d'être ministre, j'étais ministre adjoint, et à ces fonctions, je me suis rendu aux réunions du G20, et je ne suis plus ministre adjoint, tant mieux, car c'est un travail très difficile. Nous travaillons au communiqué de la dernière réunion du G20, un paragraphe de 5 lignes qui portait sur les tensions commerciales. Il nous aura fallu 18 heures pour tomber d'accord sur ce paragraphe. Cela illustre bien ce qui se déroule à l'heure actuelle. Je ne vais pas donner des noms, mais je suis sûr que vous pouvez les deviner. Il y a eu un pays qui ne souhaitait pas que l'on parle des tensions commerciales du tout, et un autre pays qui disait que non seulement c'était un risque, ces tensions, mais qu'elles avaient déjà un impact sur les économies. Le fait que nous avons été en mesure, que la première mesure pour régler le problème, c'est tout d'abord de reconnaître que ce problème existe. Et les questions commerciales, comme on l'a dit, ont plusieurs impacts, y compris elles ont une incidence sur la politique. Il y a plusieurs élections, plusieurs processus électoraux dans lesquels nous nous trouvons, et y compris aux États-Unis. C'est intéressant comment l'on perçoit la chose. Il y a deux ou trois choses sont importantes, je vais les citer. Vous avez des réglementations numériques dont vous avez parlé, qui augmentent la productivité, mais la productivité du travail signifie que moins de travailleurs produisent davantage. Oui, c'est bon pour l'économie, mais moins de bras sont nécessaires. Et donc, si la productivité augmente, les salaires augmentent également. Ce qui est important, c'est que ceci ouvre la possibilité pour les travailleurs d'augmenter leur salaire. Autre chose où il faut être prudent et qui doit être expliquée, c'est que les questions ayant sont reliées à l'économie numérique et au commerce soulèvent des inquiétudes, mais vous verrez, l'intelligence artificielle, ce ne sont pas de nouvelles préoccupations. Il y a 200 ans en Angleterre, un mouvement a été lancé qui prenait l'élimination du travail puisqu'il n'y aurait plus de travailleurs. Et donc il y a eu un retour de la productivité, on le voit bien, et il nous faut réagir à ce qui se passe au niveau macroéconomique. Il y a un article de certains de nos collègues qui disent que les échanges commerciaux avec la Chine ne signifient pas que au niveau macroéconomique, des emplois ont été perdus aux États-Unis, mais au niveau individuel, certains de ceux qui ont perdu leurs emplois parce qu'ils sont passés en Chine n'ont pas retrouvé d'emploi analogue, et ce pendant très longtemps. Clearly, the issues are not just about the US, there's also the... Les États-Unis, c'est vrai que... Alors, le Brexit est une grande question aujourd'hui. Vous pourriez peut-être nous donner votre point de vue européen pour démontrer que c'est important de garder une certaine ouverture d'esprit, car il y a une déconnexion. On voit le commerce comme étant positif, un peu d'inflation, de meilleurs prix, on est en mesure de consommer davantage dans le commerce international car les choses sont moins onéreuses, mais il y a des pertes prononcées. Si vous êtes dans une ville où l'usine doit fermer, c'est visible et c'est très émotionnel.
pour, et peut-être au niveau du commerce, mais pas du consommateur. Donc, il faut garder les portes ouvertes au niveau des politiques. Quel est le message pourriez-vous nous donner pour nous dire que c'est important? La Finlande s'est engagée à œuvrer à améliorer les systèmes fondés sur l'état de droit, sur l'ordre et les règlements. La raison en étant très simple, nous avons vu de par le passé que les populations, les entreprises tirent parti et c'est également une situation toute gagnante pour les pays les plus pauvres. D'ailleurs, on peut dire que la Finlande vit d'export, d'import et d'innovation, car dans les années 60, nous recevions encore une aide au développement, alors que la Finlande est aujourd'hui l'un des pays les plus riches. Les échanges commerciaux libres, les accords commerciaux, les responsabilités des sociétés, particulièrement la responsabilité des gouvernements, est essentielle pour que nous ayons une croissance durable et une durée de travail viable. Turbulence maintenant à cette étape dans le monde en ce qui concerne les échanges commerciaux. Il est manifeste que nous devons maintenir des relations stables commerciales avec les États-Unis et nous devons souligner l'importance des systèmes fondés sur les règlements. La Finlande, l'Union européenne sont prêts à défendre leurs intérêts lorsque nécessaire. Mais encore une fois, dans le droit fil des règlements de l'Organisation mondiale du commerce. Il nous faut un dialogue, à mon sens, il nous le faut véritablement au niveau mondial, mais également au niveau régional pour renforcer un meilleur monde dans ce sens. Je suis ravie, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'engagement en Afrique et en particulier, après en avoir parlé avec mes collègues en Éthiopie, que ce type d'engagement régional et davantage encore à l'avenir, d'avoir d'autres accords de libre-échange en Afrique, que ce soit faisable, il est très important que nous nous en assurions mutuellement au niveau mondial. Merci. Je vais maintenant passer à la salle. Avez-vous des questions? Nous allons commencer par notre collègue de la Commission européenne. Pour ceux qui souhaitent poser des questions, levez la main et on vous donnera le micro. Allez-y. Merci. Merci à notre tribune de cette excellente discussion. Félicitations au groupe de la Banque mondiale de ce rapport de qualité sur les chaînes de valeur mondiales. La Commission européenne convient que les CVM peuvent encourager la croissance, le développement et réduire la pauvreté, mais ce n'est possible que s'il y a disposition à apporter des réformes nécessaires dans les pays partenaires et si les pays industrialisés ont des politiques ouvertes et prévisibles. Sinon, les investissements ne se tiendront pas et il sera difficile d'élargir la chaîne de valeur mondiale. Il est inquiétant de voir la stagnation telle que le rapport le relève, et ce depuis 2008, ainsi que le protectionnisme et l'affaiblissement des systèmes commerciaux internationaux, et ce qui fait que le risque ne peut que s'aggraver. Tout d'abord, l'appui international est nécessaire pour accélérer la participation des pays en développement dans ces chaînes de valeur. Alors, est-ce que c'est le libre-échange des systèmes multilatéraux, comme le ministre de la Finlande vient de nous le dire? Et nous allons le rechercher par les accords commerciaux, par les régimes commerciaux et également par l'aide au développement par le commerce, ce qui représente des milliards de dollars en 2017. Nos partenaires, s'ils doivent tirer parti de ces chaînes de valeur, il leur faut s'approprier et se focaliser sur les réformes pour le climat d'investissement, la facilitation des échanges commerciaux, les politiques en la matière et surtout, il est nécessaire
de revenir sur l'intégration régionale économique des processus tels que la zone de libre-échange en Afrique est appuyée par l'Union européenne et nous avons un plan d'investissement extérieur pour appuyer. Deuxième chose, la pérennité de ces chaînes de valeur mondiale doit être assurée. Cela concerne les aspects sociaux, mais aussi le travail décent, la réduction des inégalités et un environnement durable. Dans les années à venir, nous nous concentrerons sur l'accord vert pour l'Europe. En tenant compte des ODD, nous allons combattre les changements climatiques, promouvoir une économie verte et séculaire. Et tout cela permettra aussi d'assurer la durabilité des échanges commerciaux, assurer le devoir de vigilance, en mettant en place les mécanismes requis. Et pour terminer, je dirais que nous sommes heureux de constater l'attention donnée aux défis qui se présentent aux femmes pour ce qui est de participer à ces chaînes de valeur. Nous pensons qu'il faut s'inquiéter des obstacles qui empêchent l'habilitation des femmes. Il faut donc abattre toute contrainte juridique ou du point de vue des politiques. Il ne faut pas que les filles accusent de retard. Il faut favoriser l'entrepreneuriat des femmes, appuyer les femmes qui occupent des postes de direction, l'accès au financement et aussi améliorer leurs conditions de travail. Et nous souhaitons vous assurer que la Commission européenne accompagnera ses partenaires dans la réalisation de tous ces objectifs. Merci encore une fois de votre rapport. Avant de passer aux réponses de la part des membres du panel, je voudrais donner la parole à la dame qui est assise au quatrième rang. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui. Bonjour. Monsieur Skenari, j'ai entendu, c'est-à-dire que vous avez dit que dans les années 60, la Finlande était récipiendaire de transferts de capitaux ou d'aides, et maintenant vous dites être un des pays les plus riches du monde. Mais compte tenu des recherches sur l'impact des transferts de capitaux sur la durabilité de l'environnement, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent servir à encourager ou la croissance économique des pays en développement ou en accroître la productivité, que ce soit à l'intérieur des chaînes de valeur mondiales ou dans d'autres contextes? Merci. Souhaitez-vous d'abord répondre à ces deux questions? Oui, excellente question. Malheureusement, je ne dispose pas de toutes les statistiques sur le sujet, mais je dirais de façon générale, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la Finlande recevait de l'aide internationale, donc jusque dans les années 60. Mais puisque nous avons investi dans le système d'éducation, soins de santé et tout le reste, il nous a été possible de renforcer notre écosystème national. Et depuis que nous nous sommes joints à l'Union européenne, nous faisons partie de l'Union européenne, c'est-à-dire un écosystème régional. Et 60% de nos exportations vont dans les autres pays de l'Union. Voilà pourquoi il faut favoriser, promouvoir ce genre de phénomène. La Finlande est un bon exemple de ce que l'on peut réussir. Mais les écosystèmes régionaux
sont également importants. Voilà pourquoi nous soulignons l'importance de l'Union européenne. Arturo, souhaitez-vous également répondre à ces questions ou présenter vos dernières remarques? Eh bien, il y a un sujet qui m'est venu à l'esprit et j'espère que cela ne semble pas arrogant de la part du seul non-européen dans ce panel, mais on oublie un aspect important en matière de commerce. On a parlé du Brexit, de l'Union européenne, mais si l'on remonte dans l'histoire, l'Union européenne a hérité de la communauté européenne, l'union du carbone. Il ne s'agissait pas uniquement ou du charbon. Il ne s'agissait pas d'éviter les conflits, les différends. Et un aspect positif du commerce, c'est que si les pays peuvent s'entendre et parvenir à un accord, eh bien, il y a moins de risques que des conflits éclatent. Penny, tout d'abord, je dois dire que je suis tout à fait d'accord avec vos observations au sujet des priorités de la Commission européenne. Nous disons bien dans notre rapport qu'il faut que des règles sont essentielles pour que le système fonctionne. Il faut les respecter parce que les chaînes de valeur ne peuvent se développer que dans un contexte stable. Toute barrière tarifaire, toute augmentation de tarifs, même mineure, si il y a une chaîne de valeur qui existe, des mouvements transfrontaliers, eh bien, de telles barrières auront un impact beaucoup plus important. Mais il faut aussi faire des investissements importants. Il y a un coût à ces chaînes de valeur mondiales. Les entreprises doivent se renseigner sur le pays, l'autre pays, avant d'investir, et elles ne le feront pas s'il y a de l'incertitude pour ce qui est de l'avenir. Donc, les entreprises n'investiront pas en cas d'incertitude. Donc, l'investissement est important pour tous, mais surtout pour les pays en développement. Si on prive les pays en développement d'investissement, c'est vraiment nuire à leur survie même. Et il faut donc vraiment parler en faveur d'un environnement sûr pour attirer les investissements. Quand on parle de transfert de capitaux, souvent les politiques sont complémentaires. Par exemple, comment un pays peut-il participer avec succès à une chaîne de valeur mondiale? Il y a bien des facteurs qui y contribuent, mais si un pays ne dispose pas de capital, et c'est le cas de grand nombre de pays en développement, les entrées de capital seront extrêmement importantes. C'est une condition préalable à la création d'une chaîne de valeur mondiale. Par conséquent, ces politiques sont tout à fait complémentaires. Merci. Donc maintenant, je voudrais, pour clore les débats, remercier les membres du panel. Cette discussion a porté non seulement sur les chaînes de valeur mondiales et les échanges commerciaux, mais le lien avec tous les enjeux de notre époque, l'environnement, l'égalité des hommes et des femmes et bien d'autres. Merci beaucoup aux membres du panel et merci beaucoup à notre auditoire.